Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de mon deuxième reportage en Somalie. Vous allez voir, j'ai vu plein de choses que personne n'avait vues en Somalie pendant ce deuxième reportage. Alors, j'arrivais comme d'habitude de Dubaï par un vieil avion à quadrimoteur. C'était assez épique comme vol. Arrivé à Mogadiscio, là, fini les gardes du corps, terminé. Je vais voir mon fixeur qui est devenu mon ami, qui m'attend au pied de l'avion. Au bout d'un jour d'acclimatation, je vais au grand marché de Mogadiscio, où paraît-il, il y a des gens qui fabriquent des passeports. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, cette histoire de passeport. Et donc, je vais voir ces fabricants de passeports, qui ne se cachent absolument pas, bien entendu. Alors, quand ils voient la caméra, ils sont pas très contents, les gars, hein. Il y a des bousculades. Ask me anything. No, why? What's the problem? Can I ask a question for you? Is it possible? Ils en délivrent à qui veut. Enfin, pas qui veut, qui paye. Hello, how are you? What do you mean? What do you mean? Et puis finalement, mon guide propose à un de ses fabricants de fabriquer un passeport pour moi. Il est d'accord, mais il faut que je puisse le filmer. خلاص هذا ما بيصير اوكي Là, j'ai pris un passeport somalien. Mais je crois qu'il y avait des passeports américains, bon, enfin peut-être qu'ils étaient complètement HS. Il n'y avait pas de passeport français ni européen. Bon, la situation a peut-être évolué, hein. Mais enfin, quand j'y suis allé, il n'y avait pas du tout ce genre de passeport. Alors, je demande de mettre mon nom, mon prénom, mon âge, et je sors une photo de mon fils qui a 12 ans. Le type, bon, il n'est pas... Et il la colle. Le voici, le passeport. Passeport somalien. Voilà la photo de mon fils Guillaume, le passeport, mon nom. Bon, je n'ai pas essayé de passer la frontière avec. Hein. Alors, avis à toutes les personnes, enfin, tous les gens qui sont responsables de l'immigration en France, avis. Vous avez peut-être entre les mains des passeports faux, complètement faux.
ce ne sont peut-être pas des gens qui viennent de Somalie qui se disent somaliens. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être des gens d'autre part. C'est possible. Enfin, voilà. Donc, le passeport est fait, pas de problème. Un peu plus loin, il y a le marché au feu dollar. Alors là, incroyable. On me propose des faux dollars. Mais alors mon guide me dit, écoute, non, n'en achète pas de toute façon. Même à Mogadiscio, ils ne sont pas pris. Bon. Mon guide me dit également que tout près, il y a un marché des armes. The Somali market of the gun, this one and this two market only. Il y a un commerce très florissant des armes à Mogadiscio. Ah bon? Et moi, par exemple, je pourrais en acheter une? Oh ben, si tu veux, tu peux en acheter une. Alors je lui demande si je peux essayer de filmer tout ça. Il me dit, on va essayer. Il faut faire très attention parce que là, Philippe, tu risques de te faire descendre. Il dit, on va y aller comme ça, au culot. On verra bien. Alors moi, dans ces conditions-là, moi, pour désarmer les teigneux, il y a une très, très bonne solution. C'est toujours rigoler. Un type veut vous braquer, vous lui tapez dans le dos. En disant « Ah, comme c'est gentil !» Là, le mec baisse son arme, éberlué. Avec le temps, j'ai appris ça. Vous allez voir, cette séquence est pas piquée des verres. J'arrive dans le marché aux armes, il y a des types qui n'aiment pas du tout ça, mais pas du tout. Il me demande de ranger ma caméra. Et là, je commence à déconner. Je commence à plaisanter. Vraiment, la tension monte. Je vais voir des marchands, je leur demande si je peux acheter un lance-roquettes. On me dit oui, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Après, je demande si je peux acheter une douchka. On me dit, ben oui, tout ça, c'est disponible. Pas ici, mais c'est disponible dans nos entrepôts. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien? American? Armes. $100. Ah. And this? This is Afghan. $100. Rocket launcher. Two. Ah, two. Yeah? One here. I can see it? One here. Yeah? Ah, Chinese, yeah? Chinese. Yeah, yeah. Chinese, yeah. Il y a des roquettes, des SAM, des... Francis, un peu de la yes. Yes? Yes. Some SAM also? Afternoon. Yeah. All of this. I don't know how to do it. Ethiopian. Ah, Ethiopian. Ethiopian. Government Ethiopian. All army. Come on.
D'où viennent ces armes? En tout cas, ce sont des armes provenant de Chine ou d'Union soviétique. Enfin, d'ex-Union soviétique. Mais c'est surtout des armes qui sont maintenant fabriquées en Chine. Il faut que je rentre rapidement, car nous sommes en décembre 2002. Ma femme va bientôt accoucher. Et il faut absolument que je rentre le plus rapidement possible. C'est ainsi que se termina ce reportage, par une naissance extraordinaire. Bon, eh bien écoutez, à la semaine prochaine pour de nouveaux récits. À bientôt. Au revoir.